Salut à toutes et à tous, c'est CG et bienvenue dans mon univers. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc je vais passer la vidéo avec le visage caché. Non mais c'est impossible. Non. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? Alors voilà, donc je vous explique. En fait, donc dans mes premières vidéos, j'avais un chignon, si vous avez bien remarqué, hein, le chignon, le tri du chignon. Voilà, mais j'ai voulu changer. J'ai décidé d'assumer mes cheveux bouclés, enfin, parce que voilà, j'ai les cheveux bouclés. C'est mon naturel, hein. Vraiment, j'ai les cheveux bouclés comme ça. Et donc en fait, moi j'aimais pas ça. Donc du coup je cachais mes cheveux bouclés derrière un chignon. Et à un moment donné je me suis dit, ah c'est bon Charlotte, assume tes cheveux bouclés. Et je les ai coupés aussi. Et c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est pour les shampoings, pour tout ça, c'est super, il n'y a pas de mots, c'est le top du top du top. Et donc voilà. Donc on se retrouve, parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle high-tech box. Et donc c'est la high-tech box du mois d'octobre, donc voilà, bon, toujours les mêmes, hein. High-tech box, ça se présente toujours de la même façon, c'est toujours blanc avec une étiquette high-tech box, avec le petit alien d'high-tech box. Et pour l'occasion, je vous ai mis le t-shirt du mois de septembre, donc la box qu'on avait ouvert ensemble, que je pensais que c'était un chat qui a attrapé les pièces. Je pense toujours la même chose, et donc voilà. Voilà. Il est très lourd, hein. C'est une boîte très très lourde. Donc je précise, hein, c'est la high-tech box silver. La high-tech box silver, pas platinum, pas gold. Donc la plus pourrie. Voilà, excusez-moi. Peut-être que l'année prochaine je commanderai peut-être la gold. Ça dépend. Donc on est prêt, c'est parti pour l'ouverture. Alors. Waouh. Je vous montre l'intérieur, pourquoi vous spoiler, enfin, pour ne pas me spoiler. Ça se voit, ouais, ça se voit un peu, mais je vais pas trop vous spoiler non plus. Alors ça m'a l'air d'être le t-shirt, on se le garde pour la fin. Ça m'intéresse. Oulala que c'est bizarre, oulala que c'est étrange. Je vous le montre. C'est bizarre, ça a l'air étrange. Je regarde pas, on dirait un coussin ou un gourdin, c'est assez bizarre. Je vais regarder. Oh! Breaking Bad! C'est Breaking Bad? Ah, super! Super! Enfin, Breaking Bad, je regarde pas. Mais j'adore le thème, enfin le générique de la série. Et ouais, super, enfin c'est... Et donc qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que c'est un paillasson, ma foi. Tapis, un... Ah, c'est un tapis. Ah ouais. Ah, c'est un tapis. Mais si c'est un tapis, je le garde. Je vais dans ma chambre, ici, là. Ah ouais. Ah, je le garde, ça. Ah ouais, ça va faire super, genre là, devant ma fenêtre. Oh, ah ouais, il est génial. Ah non, mais je le garde. Ah non, je suis désolée, hein. Je le garde. Ah, comment vous le montrer? Oui, mais c'est beau, ça passe. Donc il y a marqué Breaking Bad. Donc le logo de... Enfin, le titre de la série. Voilà, il est génial. Ah non. Je pensais que c'était un paillasson. Je me suis dit, les paillassons, voilà, moi je vis encore chez mes parents. Oui, j'ai 19 ans, mais je vis encore chez mes parents. Et alors Enfin, je vis encore chez mes parents. Et un paillasson, je pense pas qu'il faudrait mettre un paillasson Breaking Bad. Mais là, si c'est un tapis, ma gueule, ah ouais, je le garde. Hein. Ah ouais, il est excellent. Il est beau, même que je connais un peu Breaking Bad. Mais ça reste encore flou. Une série que j'ai envie de voir, comme The Walking Dead. Ce sont deux séries que j'ai envie de voir. Ouh, j'ai le t-shirt. Mon dieu. Et donc, vous pouvez avoir tout ça.
pouvez avoir tout ça. Donc on pouvait avoir... ouais, ça je comprends pas. Voilà, c'est la méthylamine. Méthylamine, voilà. Donc vous pouvez avoir la méthylamine. Ça je connais pas. I'm the one who knows. Ouais. Heisenberg. Ouais, d'accord, ok. Bon bah on pouvait avoir tout ça. Là moi j'ai une meilleure je crois. C'est le tapis logo Breaking Bad. C'est vraiment... le top du top. Ouh, je me suis pas spoilée. Alors on passe à l'objet suivant, mais ah c'est génial hein. Ouh, c'est... Donc je disais, on dirait une statue, on dirait une figurine. Oh purée, ça c'est une figurine. Alors, je vous le montre, je sais pas trop comment ça se passe. Comme ça. Alors, oh c'est géant. Oh putain. Oh putain. C'est une tirelire? Ah ouais! Ah ouais, ma gueule! C'est ça qui pèse aussi lourd? Oh, ah ouais! Regardez, c'est une tirelire! Regardez, je vais vous montrer. Là, il y a une fente. Ouais, on voit très bien. Waouh! Une tirelire Batman! Mais elle est badass, elle est excellente! Elle est excellente! Youpi, sur ma tête! Mais elle est trop belle! C'est ça qui pesait aussi lourd en fait dans la... Enfin, le paillasson il devait peser pas mal aussi. Mais c'est ça qui devait peser lourd enfin dans la high-tech box. Ah ouais. Ah ouais, c'est du lourd hein. C'est du lourd. Ah ouais, je m'extasie 10 minutes devant chaque objet. C'est pas grave. Alors... Ah, y'a pas de... Ah, y'a... D'accord. Non, y'a pas de... Non. Vous vous foutez de ma gueule, il est où mon badge? Alors oui, donc je pré... Pardon, excusez-moi, mais c'est pas possible, j'ai pas de badge. Il n'y a pas de badge. J'ai plus de badge. Non, là par contre... Non. Je l'ai pas fait tomber quelque part ou un truc comme ça? J'ai le poster, mais j'ai pas le badge. Bon bref, du coup, on se... Bah, du coup, je me suis spoilée sur... sur le prochain objet, mais c'est un univers que j'aime beaucoup. La force féminine n'est pas la peine que n'est pas la même que la force masculine. Il faut que vous le sachiez, High Tech Box. Donc, je montre comme ça déjà. Voilà. Je sais pas ce que c'est. C'est une trousse. Enfin, c'est Gizmo de l'univers Gremlins que j'adore. C'est ouais. J'essaie une dernière fois et si j'y arrive pas. Oh bah là il y a une ouverture. Si, sinon j'aurais pris ma paire de ciseaux. Mais là ça a l'air d'aller. Voilà. Wouhou ! Ça se gonfle ? Non. Alors, c'est en relief hein, comme vous le voyez. Donc bon, ça doit être de. Ça doit être de la mousse quelque part. Donc Gremlins. Voilà, c'est le film Gremlins. J'ai une pop gizmo. Ouais, j'ai la pop gizmo. Et là, j'ai une trousse, un bague. Je sais pas trop. Mais ouais, c'est super sympa, j'adore. J'adore. Et j'ai pas mon badge. Regardez, il y a la notice. Je crois qu'il y a pas de badge. Je me suis spoilé la notice, mais je crois qu'il y a pas de badge. Bon, oui, donc regardez, donc il y a plus rien. Vraiment, il y a plus rien. Le poster d'abord, hein. Ouh, je suis mais désorganisée dans cette vidéo, c'est impressionnant. Le poster d'abord, allez, chaque chose en son temps, parce que j'étais surprise qu'il n'y ait pas de badge du coup, parce que j'ai touché la peluche Gizmo, après j'étais surprise qu'il n'y ait pas de badge. Mais du coup, la deuxième partie du triptyque, donc en fait on a eu le premier... dans la high-tech box de septembre, je vais arriver à parler. Et ouais, celle-là, je pense que je vais... Ah mais non, ça fait une manette de NES. Je vais voir, mais peut-être que je vais le vendre sur mon eBay, je sais pas. À voir, je vais voir la troisième partie, et puis sinon, bah, de toute façon, je vous ai mis hein, mon eBay, sur mes vidéos, donc... voilà, et puis même si vous le voulez, je vous le vends en message privé. Pas de soucis, donc voilà le poster. Et bah peut-être avant de regarder la notice qui est juste ici, donc octobre 2017,
va peut-être... Donc la boîte est vide, donc je vous ai déjà montré. La boîte qui est vide. Ah, je suis déçue, il n'y a pas de badge. Mais pourquoi il n'y a pas de badge? Donc voilà. On va peut-être regarder le t-shirt. Voilà. Ah, c'est un pull! Mais excellent. Mais merci Hightech Box, moi qui ai froid avec mes t-shirts vu que nous sommes au mois de novembre. Merci Hightech Box. C'est génial. C'est un pull Spider-Man. Je vous montre. Ouais. Voilà, c'est un pull Spider-Man. Ouais, ça, je suis contente. Mais pourquoi il n'y a pas de badge? Ça, on va le voir tout de suite. Mais il n'y a pas de badge. Alors, regardez, il montre pas le badge comme d'habitude. Ça, je comprends pas. Enfin, je comprends pas du tout. Donc, on va se flageller. Voilà, on va se dégoûter. Voilà. D'abord, je regarde la mienne. Comment on fait? Alors, Hightech Box Silver T-shirt à manches longues. Alors, pour la première fois, retrouver un T-shirt à manches longues dans une box. En plus, il est parfait pour Halloween. Valeur 25€. Ouais! Le buste tirelire. Mais c'est ça qui prenait autant de. Enfin, c'est ça qui. Pas beaucoup d'objets, mais ils sont badass. Donc le buste tirelire, voilà. Retrouver un buste d'un personnage DC Comics qui gardera en sécurité votre argent. Ah, moi j'ai eu Batman. Je suis contente, très contente, très 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 contente. Tapi Breaking Bad, je ne suis pas dans le danger, je suis le danger. Mais en attendant, c'est bien d'avoir chaud aux pieds. Donc c'est bien un tapis, hein. Ce n'est pas un... Oui, j'arrive à parler. Ce n'est pas un paillasson, c'est un tapis. C'est bien un tapis. Ouais, je suis dégoûtée, j'ai pas mon badge. Peluche Gizmo. C'est une peluche. Ah, je te parle l'oreille. Voilà. Peluche Gizmo. Faites bien attention à ne pas l'arroser. Et oui, parce que... spoiler. Dans le film Gremlins, Si tu asperges les Mogwai d'eau, eh ben, ils deviennent des Gremlins. Donc voilà. J'arrive à parler. Et poster triptyque 2 sur 3. Voilà la deuxième partie du poster qui va former une manette. Valeur de 4€. Ouais, ça m'a l'air d'être une manette de NES qui va être formée. Si c'est une manette de NES, j'adore la NES, donc ok, pas de problème. Après, déception, on regarde la box gold. T-shirt manche longue, c'est bon. Wacky Woobler. Changeons un peu des figurines pop avec cette super Harley Quinn. Bah, c'est vrai que nous n'avons pas de figurines pop, mais ce n'est pas pour ma box du coup, ce n'est pas pour ma tronche. Mais ouais, Harley Quinn, ouais. Voilà. Moi, Harley Quinn, tout ce qui est Joker, Harley Quinn, bof. Mystery Mini série limitée. Une Mystery Mini en édition limitée d'Ant-Man. Valeur de 10€. Ça pareil, Ant-Man, non? Tableau Harry Potter lumineux. Ah, ça par contre pas mal ça par contre. Pour la première fois dans une box geek, un luminet. Luminart officiel pour rendre vos pièces encore plus magiques. 30€. Ouais, pas mal. Et voilà la peluche Gizmo et le poster triptyque. La platinium. T-shirt manche longue. Monopoly Dragon Ball Z. Je m'en fous, j'aime pas Dragon Ball. Mon dieu, je vais me faire insulter. Enfin, c'est pas que j'aime pas Dragon Ball. Je regarde pas Dragon Ball. Désolée, je regarde pas. La seule box geek à proposer dès sa sortie le... tout nouveau Monopoly Dragon Ball Z en français. Et moi je veux avoir le Monopoly Pokémon et le Monopoly Nintendo aussi. Voilà.
Kawaki Wobbler, Mystery Cinema, Tapis Breaking Bad, Tableau du Gizmo, Bonbon Halloween. Une touche sucrée pour passer un bon Halloween. Bon, ça vient bon moment, je les achète chez moi. Tirelire Breaking Bad. Ah bah oui, ça c'est... Ouais, ça je l'avais déjà vu. Avant d'être aussi riche qu'Eisenberg, il faut bien commencer par quelque chose. Valeur 12 euros. Ouais, bah ça j'avais déjà vu, mais... Voilà, figurine pop série limitée. M'en bats les couilles. Bon, non, mais c'est une figurine pop série limitée. Star Wars. Ok, d'accord. Enfin, à voir. Orientez-vous vers... Enfin, je vous invite à vous orienter vers des personnes qui ont eu la box Platinum. Je ferai de même, hein, je regarderai bien sûr. J'arrive pas à parler dans cette vidéo, c'est un truc de malade. Pour voir la tronche, la figurine pop et le poster. Voilà. C'est terminé pour cette vidéo. Je suis déçue et surprise. Surprise par ça. Ça, je m'y attendais pas. Je le mets à l'envers. Non, mais ouais. Breaking Bad, ouais. Je regarde pas. Mais bonne surprise, très très bonne surprise. Je suis contente d'avoir un tapis et pas un paillasson. Et donc du coup, bah, je le mettrai au pied de ma fenêtre. Après, il y a un énorme pet. Non mais c'est pas grave. La tirelire Batman est pas mal non plus. Je suis pas sûre que je vais l'utiliser par contre. Je pense que je vais plus la mettre en objet de collection avec la figurine, la Q-Fig de Hulk que j'avais eu, que je vous ai pas montré. Je vous ai pas montré, c'était pas, enfin c'était avant que je commence les vidéos et avant que j'ouvre les high-tech box sur ma chaîne, je les ouvrais toute seule. Mais voilà, la tirelire Batman est pas mal non plus. Ça j'ai pas compris. C'est mon peluche de Gizmo. Ouais, c'est une NECA. Mais ouais, ça marche. J'aime bien l'univers, mais je suis pas très très fan de cet objet. Et après le poster, bah j'attends de voir le troisième. Et le t-shirt, c'est pas un univers que j'apprécie énormément, mais je suis contente. D'avoir eu un t-shirt à manches longues pour une fois dans une high-tech box. Cette box était pas mal. Pas beaucoup d'items mais pas mal. Et donc du coup, eh bah, vous connaissez la routine. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo. À mettre un commentaire, surtout un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Très honnêtement, j'adore les critiques. Je les prends totalement bien si elles sont constructives. Et justement, ça m'aide à avancer parce que je suis toujours vidéaste amateur. On dit pas amatrice. Peut-être. Donc je suis toujours un vidéaste amateur. Donc du coup, voilà, enfin, j'attends vos réactions en commentaire, à partager cette vidéo, parce que voilà, j'aimerais me faire connaître. Et voilà, allez voir mon eBay que je vous mettrai en barre d'infos, et toujours mes réseaux sociaux. Et donc du coup, eh ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !